pas d'être dur, je vous dis, c'est bon dès que j'ai. C'est bon, on est en direct, là j'entends. Alors, vous avez Donc, la parole, cher maître. ok. Donc, Dr Marchaud m'a posé la question à propos des postes d'assistanat. Ce qui est sûr, c'est que actuellement, les terrains de stage, comme j'ai dit, il y a 5 terrains de stage. Les projets d'autres terrains de stage sont là. Et par ailleurs, la particularité de la chirurgie vasculaire périphérique, c'est que le besoin est là. C'est-à-dire, dans des services de chirurgie, on peut avoir besoin. Dernièrement, il y a eu un poste à Naples et les besoins pour le chirurgien d'un chirurgien vasculaire dans différents centres, même s'il n'y a pas de service de chirurgie vasculaire, est là, à part les services connus où les postes d'assistanat sont en train d'être ouverts, avec une fréquence d'un poste par an ou parfois un poste tous les ans. Parfois, on saute une année, mais les postes d'assistanat sont présents. Voilà, le cursus, c'est 5 ans. Il y a un stage de chirurgie générale qui est obligatoire, plus des stages optionnels tels que l'orthopédie ou la chirurgie thoracique. La question qu'on se pose, l'idée générale, c'est qu'ils se disent la cardiovasculaire ou la vasculaire. Mais par le mouche, ça, on peut poser la question aux résidents et, qui sont dans la spécialité et ils leur répondront. Il y a une autonomie qui se fait pas à la première année parce que les gestes sont assez fins et il faut une courbe d'apprentissage. Mais un résident à la quatrième année, il gère, disons, au niveau des urgences, 60% des urgences, il peut les gérer. Et à la fin du cursus, c'est au moins 50% des actes. Il est capable de les faire et ça, les résidents en témoignent. Les perspectives d'avenir à l'étranger, beaucoup de nos résidents ont leur équivalence. Presque tous sortent faire un stage à l'étranger. Et l'assistanat, comme j'ai dit, oui, il y a des postes d'assistanat. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais les perspectives dans l'avenir. C'est un nouveau service de chirurgie vasculaire ou cardiovasculaire, mais aussi la possibilité d'être au niveau d'un service de chirurgie vasculaire, de chirurgie viscérale ou dans un centre de traumatologie. Voilà, je ne sais pas, est-ce que. Alors, oui, Est-ce que vous avez des questions un petit peu dans le chat, Dr. Batterjee? Non, non, non. Juste, je vais finir par. J'ai parlé du cursus, mais si je vais citer quelques pathologies, c'est les artériopathies, c'est les carotides, c'est les anévrismes, c'est les varices, c'est les fistules artério-veineuses, c'est les traumatismes des vaisseaux, des membres inférieurs, c'est les tumeurs au contact des vaisseaux. Donc, la pathologie est assez riche, c'est. Les AVC dus aux sténoses carotidiennes, c'est les artères mésentériques. Donc voilà pour dire que la spécialité est riche, ce n'est pas que varices ou fistules ou membres inférieurs. Voilà. Marc le Merci. Merci pour le tour d'horizon. Donc, merci à toute l'équipe. Donc, je pense que vous avez donné une idée assez exhaustive à tous les futurs résidents qui peuvent être intéressés. Maintenant, on va passer à Dr. Jabloun, donc, qui représente la chirurgie pédiatrique. Merci, docteur Mahdou. Bonsoir. Bonsoir, docteur Benka. Bonsoir, Bonsoir. tout le monde. Bonsoir, tout le monde. Moi, je vais parler de la chirurgie pédiatrique, ou bien la chirurgie infantile, comme on le dit. La chirurgie pédiatrique, c'est la chirurgie qui prend en charge les enfants jusqu'à l'âge de 14-15 ans. J'insiste bien, ce n'est pas la chirurgie générale en miniature, c'est une spécialité à part, et c'est une spécialité qui est très, très riche. En fait, dans la spécialité, on trouve la chirurgie digestive, la chirurgie urologique, la chirurgie thoracique, les brûlés, la traumatologie. Parfois, on fait les chambres implantables, les cathés centraux, c'est-à-dire tout ce qui est chirurgie vasculaire périphérique, entre parenthèses.
Et donc, c'est une spécialité qui est très, très riche. Pour le cursus de la chirurgie pédiatrique, en fait, c'est sur 5 ans, 3 ans de chirurgie, 3 ans de chirurgie pédiatrique, 3 ans obligatoires dans les services de chirurgie pédiatrique qui sont au nombre de 5, et 2 ans, c'est l'optionnel qui peut partir de la chirurgie générale pour faire la différence entre l'adulte et l'enfant, la pédiatrie pour voir le côté médical, l'urologie, comme il a insisté Dr Billy tout à l'heure pour les urologues qui devaient faire le stage de chirurgie pédiatrique, nous aussi on insiste pour les résidents de faire l'urologie pour avoir la main, surtout de l'endoscopie. Et surtout, j'insiste pour l'optionnel orthopédie pour ceux qui veulent partir ailleurs, parce que l'orthopédie infantile en Tunisie, c'est l'orthopédie adulte qui se spécialise en infantile, mais ailleurs, en France, par exemple, elle fait partie de la chirurgie pédiatrique. Donc, pour ceux qui veulent partir ailleurs, je leur conseille de faire l'optionnel d'orthopédie pour qu'il soit au moins, il avoir une formation complète dans leur stage avant de partir. Alors, pour les services, il y a 5 services de chirurgie pédiatrique en Tunisie, 3 qui sont à Tunis. Le service de chirurgie pédiatrique A, IB à l'hôpital d'enfants et le service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Philippe Neyma. Le quatrième plutôt service, c'est à Monastir et le cinquième, c'est à Sfax. Ce sont 5 services qui sont complémentaires. Il y a des services que plutôt, c'est pas spécialisé, c'est écrit, mais ils sont plus forts. Par exemple, Monastir, c'est bien connu par la transplantation hépatique, sont la pierre angulaire qui ont fait les premières transplantations hépatiques infantiles en Tunisie. L'hôpital d'enfants qui est bien connu par la néonatologie, puisqu'ils ont le service de Dr Murphy, la réanimation pédiatrique, donc on voit de plus en plus la néonatologie, et l'hôpital Philippe Neyma qui est un tout petit peu bien connu par l'urologie. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions sur le partir ailleurs, c'est-à-dire des FMS, des FMSA. Moi, personnellement, j'encourage les gens pour aller ailleurs, pour voir l'innovation technologique. J'insiste que la formation en Tunisie, elle est excellente pour la chirurgie pédiatrique. Un résident en cinquième année, il devient autonome, il peut opérer les petits cas. Donc, aller ailleurs, c'est pour faire un stage de perfectionnement. Voir la chirurgie robotique infantile qui n'existe pas en Tunisie, voir les centres de référence des maladies rares, chose très importante pour leur formation. Mais chose qu'il faut connaître, que depuis 5 ans, il n'y a plus d'équivalence en chirurgie pédiatrique. Donc, aller pour faire un stage pour perfectionner la spécialité, oui, mais il faut penser si vous programmez d'aller s'installer ailleurs, qu'il n'y a plus d'équivalence en chirurgie pédiatrique, pour le moment. Je ne sais pas s'ils vont reprogrammer la prise en charge ou l'acceptation de l'équivalence en chirurgie pédiatrique dans les années qui viennent. Alors, autre chose que je vois que tout le monde demande sur les CEC, vu que la chirurgie pédiatrique elle est très riche, elle englobe plusieurs spécialités, donc pour les CUC, on trouve plusieurs, l'urodynamique dans l'urologie, l'oncologie pédiatrique, la cœlioscopie pédiatrique, la pré-cicatrisation pour les brûlés, la radioanatomie à Monastir. Donc, il y en a plusieurs de CUC. La formation de résidents, elle est assurée par le collège et l'association tunisienne de la chirurgie pédiatrique qui sont en train de faire un grand effort pour la formation des résidents qui les impliquent dans le webinaire, dans les congrès, ils sont en train de faire un grand effort. Et je finis pour le cursus, l'avenir, le privé.
pour une spécialité qui est prenne par an sept candidats, sept résidents. C'est une spécialité qui est restreinte. Donc, pour les HU, c'est le meilleur qui gagne. Pour les privés, pour un résident qui a terminé 5 ans, il peut s'installer peu à peu. Mais je crois qu'il faut, j'encourage en fait faire soit le cursus hospitalier universitaire pour être plus autonome pour les pathologies qui sont graves et avoir un bon, ou bien aller ailleurs pour avoir une bonne formation pour perfectionner sa spécialité avant de s'installer en privé. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour sur ce que je vois généralement les résidents demandent. Alors, docteur Javnoun, pour les terrains de stage qui existent actuellement et que vous venez de citer, est-ce qu'il y a des services qui sont spécialisés dans une chirurgie bien particulière par rapport à d'autres, à notre service, ou c'est la même activité? En fait, on trouve les mêmes activités dans toutes les services, c'est-à-dire toutes les opérations, tous les cas, on les trouve dans les 5 services. Mais il y a des services que vous trouvez plutôt, puisqu'on a dit que la chirurgie pédiatrique, elle englobe plusieurs sous-spécialités, la digestive, l'urologie, la thoracique, et donc il y a des services qui sont un tout petit peu plus sous-spécialisés dans quelques pathologies, c'est pas dans quelques spécialités, pathologies, par exemple, je cite monastiques qui font la transplantation hépatique. Ok. Et pour les patients, c'est du J1 de naissance jusqu'à 14 ans, c'est ça? Oui, généralement, c'est 14-15 ans. Par exemple, c'est l'hôpital d'enfants, c'est 14 ans. L'hôpital Philippe-Femmes, c'est 15 ans. Et parfois, si c'est un malade, qui est un ancien malade, qui est suivi depuis J1 de vie, on peut tolérer jusqu'à 18 ans. L'OMS, dise la définition de l'enfant de l'OMS, elle varie, c'est 18 ans, c'est moins de 18 ans. Mais généralement, on s'est mis d'accord avec le service de chirurgie générale que l'enfant, lorsqu'il atteint le 15 ans, il devient adulte, et donc on le transmet au service de chirurgie générale. Juste peut-être une précision, est-ce que ça se fait déjà en Tunisie, oui ou non? La chirurgie fœtale, est-ce que ça fait partie du champ d'action de votre spécialité, ou bien c'est quelque chose à part? Non, on le fait pas encore en Tunisie. C'est parmi les choses que j'encourage à aller ailleurs, parce que en fait c'est le gynéco-obstétrique avec la chirurgie infantile, c'est toute une équipe avec la radiologie, avec le génétique. Donc en Tunisie on n'a pas encore, même ailleurs c'est très rare. Elle fait partie des centres qui sont des références. Ici on n'a pas encore une progression dans la chirurgie fœtale. Merci beaucoup, docteur Javnoun. Merci beaucoup. Je vous la parole. Oui, merci Asma. Donc c'était très enrichissant. Maintenant, on va passer donc la parole à l'équipe de stomato et chirurgie maxillofaciale. Donc docteur Karim Azetouni et docteur Hassan Chebi, vous la parole. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, exactement. Je ne sais pas si docteur Zitouni est là. Oui, si elle nous entend, elle va se connecter. Alors, vous nous parlez de votre spécialité, en fait, stomato et chirurgie maxillofaciale. C'est quoi la différence avec les dentistes? D'accord, ok. Voilà. Je vais attendre plutôt Dr Zitouni et après je prendrai la parole. D'accord. Dr Zitouni, à vous la parole. Je pense qu'elle a un problème de micro. Donc, d'accord. Justement, oui, elle a un problème de micro, elle ne peut qu'écrire. Donc, à vous la parole, Dr Chien. Donc, je ne sais pas si
Donc, c'est quoi comme spécialité, le terrain de stage? C'est le champ d'action, voilà. Je peux présenter, moi? Oui, exactement. Oui. A priori, peut-être elle va se reconnecter. D'accord, ok. Donc, je vais parler de la chirurgie maxillofaciale. Donc, c'est une spécialité, franchement, qui est un peu méconnue de la part du grand public, je pense, et surtout des étudiants en médecine. C'est ce que j'ai constaté parce que justement il n'y a pas beaucoup de cours en cinquième année, on a deux cours en cinquième année, donc beaucoup d'étudiants qui souhaitent faire ce choix après le résidentat, ils ont beaucoup de difficultés car ils ne connaissent pas la spécialité, soit ils ont déjà fait un stage donc ils la connaissent, s'ils n'ont pas fait de stage, ils ne connaissent pas exactement ce que c'est en fait. Donc là, je vais la présenter rapidement. Donc, c'est une spécialité chirurgicale principalement, mais aussi médicale. C'est une spécialité qui concerne tout ce qui tourne autour de la sphère crânio-maxillo-orofaciale, c'est-à-dire tout ce qui est facial, tout ce qui est cavité buccale, et ça part en fait, ça touche des parties molles jusqu'à l'os. Donc, c'est toute la face, des parties molles jusqu'à l'os. Donc, ça prend en charge la pathologie traumatologique, carcinologique, malformative de la face, mais aussi la chirurgie reconstructrice faciale, et notamment donc, les reconstructions par lombo, etc., et la microchirurgie. Donc, ça touche aussi un petit peu le champ d'action. C'est un peu en commun avec la chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie plastique. Donc, c'est un peu, il y a des volets qui sont en commun avec la chirurgie plastique. Et ça aboutit aussi à faire aussi de la chirurgie esthétique. Donc, ça, c'est du visage, en fait. Et tout ce qui est correction des séquelles post-traumatiques, etc., de la face. C'est une spécialité qui est donc très riche, qui est très variée. Et c'est-à-dire on peut travailler avec plusieurs spécialités, notamment les ORL, la chirurgie plastique, les médecins dentistes, pour tout ce qui est chirurgie implantaire, pré-implantaire, etc. Les neurochirurgiens, pour tout ce qui est chirurgie orbitopalpébrale. Il y a aussi la chirurgie des glandes salivaires, la chirurgie de l'ATM, des pathologies des articulations de l'ATM. Comme la dénomination en fait, de la spécialité, c'est stomatologie et chirurgie maxillofaciale. En fait, la stomatologie, ça correspond à le traitement de toutes les pathologies médico-chirurgicales de la cavité buccale. Donc, c'est tout ce qui est avulsion dentaire, prise en charge des pathologies infectieuses d'origine dentaire, les kystes, etc., et les tumeurs dentaires, etc. Donc, c'est une chirurgie, c'est une spécialité qui est vraiment très, très, très polymorphe et très variée et qui est, donc, qui touche à plusieurs volets, en fait. La formation, donc, c'est 5 ans, comme toutes les spécialités chirurgicales, sauf que, bon, comme toutes les spécialités chirurgicales un peu spécialisées comme ça, 5 ans ne suffisent pas en chirurgie maxillofaciale puisque tout ce qui est chirurgie reconstructrice, chirurgie des bases osseuses, etc., ça s'apprend un peu plus après, en fait. Moi, je pense qu'une activité, qu'un cursus hospital universitaire est nécessaire pour cette spécialité. Sinon, qu'est-ce que je vais dire de plus? Sinon, il y a, pour le choix des stages, il y a 4 services. Sur toute la Tunisie. Il y a un service à l'hôpital Charles de Gaulle, un service à Sousse, à Saint-Loup, il y a un service à Sfax, il y a un service à Mendeir, et il y a, à part ces services-là, il y a la chirurgie maxillofaciale à l'hôpital militaire, c'est avec le service d'ORL, et aussi à l'hôpital La Raptade, c'est aussi avec le service d'ORL. Où les résidents peuvent faire leur stage, que ce soit des stages obligatoires ou des stages optionnels. Sinon, il y a le collège aussi, on fait des cours 2 fois par an, donc il y a des rencontres de collège. Qu'est-ce que je vais dire de plus?
Les stages à l'étranger sont très préconisés parce que c'est une spécialité qui est en perpétuel développement, surtout actuellement, avec tout ce qui est reconstruction 3D, les nouveaux logiciels 3D, etc. Donc, tout ce qui est reconstruction faciale, etc. Donc, c'est un peu à la mode. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, donc c'est un peu méconnu, quoique bon, parce que je rencontre des étudiants qui me demandent parfois c'est quoi le champ d'action de la spécialité, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc voilà, j'espère que c'est. J'ai bien expliqué. Je ne sais pas s'il y a des questions pour la spécialité. Alors, Dr Chebi, concernant les GAT. Oui, alors c'est une spécialité. C'est une spécialité. Oui, alors il y a beaucoup d'urgences en chirurgie maxillofaciale. Donc c'est une spécialité où il y a des gardes. Bon, actuellement, il y a des services où il n'y a pas de garde parce que tout ce qui est urgence est traité un peu en différé. Mais bon, il y a des services où il y a des gardes sur place. Donc ça dépend des services en fait. Ça dépend des services, mais il y a des gardes, il y a beaucoup d'urgences. Tout ce qui est traumatologie faciale, les plaies de la face, les fractures faciales, etc. Tout ça, c'est pris en charge normalement au niveau des urgences. Et il y a toujours un résident de garde qui gère ces pathologies-là. C'est ça. Les CEC, Dr Chebi. Les CEC, alors ce qui est préconisé, il y a des CEC qu'on fait avec la faculté de médecine dentaire aussi de Monastir. Les CEC d'imagerie maxillofaciale, il y a le CEC de microchirurgie aussi, qui est très intéressant, et qui se fait avec nos amis les plasticiens aussi. Et sinon, à Tunis, ça c'est à Tunis, sinon en France ou à l'étranger, il y a beaucoup de DU ou de CEC qui sont dans tous les domaines de la spécialité, en chirurgie reconstructrice, préimplantaire, chirurgie orthognatique, etc. Donc c'est vraiment varié. Alors concernant le cursus, juste pour rappel, donc c'est 5 ans. 5 ans exactement, c'est 5 ans. Et les terrains de stage optionnels, obligatoires Alors il y a les stages optionnels, c'est en général soit en chirurgie, à part les stages obligatoires pour les résidents. Oui. Pour l'optionnel, c'est soit en chirurgie plastique, parce que c'est très proche. Soit en ORL, soit en neurochirurgie, principalement, qui font des stages optionnels. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Dr Majo? A priori, oui, je ne vois pas sur le chat d'autres questions. Je pense qu'ils ont une idée un peu plus claire par rapport à cette spécialité. Ouais. Voilà, merci pour votre intervention. Bon, dommage qu'on n'a pas pu entendre Dr Karim Azitouni, il y a un problème de micro. Merci, madame, de toute façon, pour votre présence. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Alors, on va clôturer donc en beauté. Donc, Dr Oussama Barakat, vous allez nous parler donc, de la chirurgie générale. Oui, bonsoir. 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 Voilà. On va clôturer donc avec la chirurgie générale. Donc, je vais présenter rapidement, puis essayer de répondre aux différentes questions, aux différentes questions. La chirurgie générale, bon, on dit générale, mais actuellement, c'est plutôt la chirurgie digestive ou plutôt viscérale. C'est une spécialité, je vais dire, bien sûr, c'est une très belle spécialité, avec une pathologie très variée et très riche. Donc, quand on parle de chirurgie digestive, chirurgie générale, il y a tout le tube digestif, tout l'abdomen pratiquement dont on s'en occupe pour toutes les interventions. Il y a ce qu'on appelle le creux, le tube digestif, la chirurgie oesogastrique, la chirurgie colorectale, l'intestin grêle, les organes pleins, le foie, les pathos biliaires, la chirurgie pancréatique. On y rajoute aussi la chirurgie endocrinienne, la surrénale, tout ça. En dehors de la chirurgie du tube digestif et des organes pleins intra-abdominaux, on a la chirurgie pariétale, tout ce qui est hernie, éventration, avec leurs différents problèmes. Actuellement aussi, il y a tout ce qui est suppuration des parties molles, la proctologie. Il y a actuellement quelques autres sous-spécialités qui sont en train d'émerger, notamment la chirurgie de l'obésité. Tout ça, donc, c'est un spectre très varié de pathologies. En Tunisie, on n'a pas de sous-spécialité vraiment. On s'occupe pratiquement de tout, tous les chirurgiens font tout.
mais en étranger, notamment en France et dans tous les pays occidentaux. Actuellement, on se spécialise notamment en chirurgie hépatobiliaire, en chirurgie colorectale, en chirurgie de l'obésité, tout ça. Après, bien sûr, dans la chirurgie digestive générale, il y a ce qu'on appelle l'urgence et le froid. Les urgences, notamment les appendicites, les péritonites, les urgences biliaires, polycystites, angiocolites, les anitranglies, les occlusions, tout ça. Et la pathologie à froid, l'ichthyose vésiculaire symptomatique, les hernies, les éventrations, les cancers, c'est une semi-urgence, bien sûr, tout ça. Donc, c'est très varié, très riche. Le cursus, quand tous les collègues, c'est une spécialité qui dure 5 ans. Bon, on fait des stages optionnels, on peut faire dans toutes les spécialités pratiquement chirurgicales, l'urologie, l'orthopédie, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie vasculaire, thoracique. Bon, une année d'optionnel et 4 ans de chirurgie générale. Les terrains de stage sont très variés, aussi très riches. On a sur Tunis et le Grand Tunis, disons 14 services. Il y a 2 services à l'Arabta, 2 services Charles Nicolle, Mondjisli, Mafassi, El Marsa, il y a Ariana, Habib Femme, l'hôpital militaire, Ben Arous. On y ajoute à ça donc l'hôpital de Bizerte, l'hôpital universitaire de Bizerte, l'hôpital universitaire de Naples. Il y a aussi le service de chirurgie donc, de l'hôpital de Zarouane, l'hôpital de Jandouba. Donc les terrains de stage sont très variés. Les perspectives sont aussi ouvertes. Il y a la carrière hospitalière universitaire qui reste, comme toute spécialité chirurgicale, intéressante et recommandée pour les premières années, les premières années du cursus après le résidentat. Mais je sais des collègues qui ont passé directement au secteur privé et s'en sortent très bien. On peut être au bout de 5 ans autonome dans certaines interventions, bien sûr. Mais pour la chirurgie complexe, tout ça est une intervention difficile. Et la nécessité donc d'une formation complémentaire après la résidentat, c'est intéressant en hôpital universitaire. La chirurgie aussi. Les pathologies, les interventions chirurgicales vont du plus simple vers le plus compliqué. Des interventions qui ne sont pas très difficiles, comme la ichthyose vésiculaire simple, vers la chirurgie très difficile, comme la chirurgie pancréatique, la chirurgie hépatique, qui est assez complexe et assez aussi donc, stressante. Je ne sais pas s'il y a des questions ou non. A priori, donc, vous êtes en train de répondre à toutes leurs questions. Parce que les questions, ça se répète, en fait, elles sont toutes classiques. C'est tout ce qui est CEC, master, formation. Les CEC et master, il y en a bien sûr en Tunisie ou ailleurs. En Tunisie, il y a quelques CEC, mais surtout il y a actuellement ceux qui sont spécifiques à la chirurgie colorectale, c'est un CEC qui se fait à Monastir. Il y a à Sousse, la CEC de maladie inflammatoire de Miki, maladie inflammatoire de l'intestin. C'est à cheval entre la chirurgie et la gastro, donc on peut le faire. Il y a le CEC de. De plaies, cicatrisation et coulures, qui est intéressant aussi pour les grands chirurgies. Et bien sûr, à l'étranger, il y a beaucoup de masters du CEC, notamment le DU des pathobiliaires, DU de proctologie, DU de MIKI, DU de proctologie, tout ça, il y a tellement. Pour les stages étrangers, ça reste toujours intéressant. Quoique la formation pour les 5 ans, elle est en Tunisie. Beaucoup de résidents préfèrent passer les 5 ans en Tunisie parce que peut-être on peut faire plus en résidant en Tunisie, puis ils passent après pour faire leur stage après. Mais sinon, ça reste toujours une expérience enrichissante, surtout pour ceux qui veulent se super spécialiser, par exemple en chirurgie hépatique, en chirurgie pancréatique, en chirurgie colorectale ou en laparoscopie, tout ça. C'est toujours intéressant aussi de passer. Il y a toujours la possibilité de faire un stage en tant que de PMS ou autre, ou stagiaire associé, tout ça. Alors, concernant d'ailleurs le DFMS, oui. Alors, les opportunités à l'étranger donc, concernant le DFMS, est-ce que c'est facile, c'est possible? Et oui. Aussi la carrière HU. Il parle de la carrière HU. La carrière HU, hospital universitaire. Oui. Les opportunités de poste. Oui, oui. Pour le DFMS, il y a, comme toute spécialité, il y a le quota qui est toujours respecté. La plupart des services. Notamment sur que ce soit Grand Tunis, à Tunis ou à Sfax ou à Monastir. Ils ont de bons contacts avec les chirurgiens, notamment français. Dans tous les congrès, il y a des confrères qui viennent de France. On a de bonnes relations. Donc, pour les résidents qui veulent passer un stage, généralement, on n'a pas de problème. Généralement, chaque service, il a de ses contacts et on peut envoyer nos résidents sans. Il n'y a pas généralement de problème. Ils acceptent bien les résidents tunisiens. On a une bonne.
en réputation là-bas, on a un problème de passer les stages là-bas. Pour la carrière hospitalière universitaire, les opportunités, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de services, donc toujours il y a un choix, un nombre de postes qui est assez conséquent. Donc, c'est en moyenne 7 à 8 postes par an sur le. Je parle de la faculté de médecine de Tunis seulement, donc généralement, c'est une partie, plus de 70 à 80% des résidents passent systématiquement en tant qu'assistant, tout ça. Donc la carrière hospitalière universitaire, les portes sont actuellement ouvertes, il y a beaucoup de services, donc il n'y a aucun problème donc, pour ceux qui veulent passer dans l'assistanat. Généralement, il y a de grandes chances pour qu'ils réussissent et continuent dans leur service généralement. Alors, vous avez parlé des sous-spécialités dans la chirurgie générale. Est-ce que dans les terrains de stage et dans les différents services de chirurgie générale, est-ce qu'il y a des services qui sont spécialisés dans une sous-spécialité un peu particulière par rapport à d'autres, ou bien c'est une activité qui est pratiquement la même dans n'importe quel service de chirurgie générale? C'est pratiquement une activité qui est la même, parce qu'on n'a pas vraiment de sous-spécialité. Peut-être à part quelques services, notamment à la Marseille, on fait la transplantation hépatique de temps en temps, mais pour le reste, c'est pratiquement le même spectre d'intervention. Il n'y a pas une grosse. Bon, bien sûr, il y a des services où il y a un débit plus important que les autres, les grands centres, les grands services, notamment en termes de carcinos, tout ça, et de grands malades, tout ça, mais généralement, c'est le même spectre d'activité, le même spectre d'intervention dans tous les services. Donc, là où vous passez, généralement, il y a des choses à apprendre. C'est ça, peut-être c'est un des avantages, quel que soit le service pratiquement. Bien sûr, le débit, ça diffère un peu d'un service à l'autre, mais c'est pratiquement les mêmes pathologies, la même chirurgie qu'on fait. Bon, il faut savoir quelque chose, bien sûr, les gardes en chirurgie générale sont des gardes qui sont assez il y a beaucoup de choses à faire pendant la garde. Et c'est pour le résident, d'ailleurs, c'est le moment où il apprend le plus. D'ailleurs, le résident fait beaucoup de gardes. Il s'inquiète quand il ne prend pas beaucoup de garde, il donne beaucoup de garde. Donc, parce que là, c'est pendant la garde qu'on apprend peut-être le plus. Mais c'est des gardes qui sont assez, quand même assez agitées, assez fatigantes parfois, mais elles sont aussi assez passionnantes parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. J'ai oublié de. À côté de tout ça, il y a de la traumatologie aussi. C'est un chapitre très important en chirurgie. Donc, c'est nous qui s'occupons des polytraumatisés en général. Même s'il y a des traumatismes périphériques associés, des traumatismes thoraciques, tout ça, généralement, ils sont hospitalisés en chirurgie générale avec nos amis, nos confrères, anesthésistes, réanimateurs. Ça, on occupe de ces patients-là, les polytraumatisés, les accidentés, tout ça. Et que les gardes sont généralement assez agités, je dirais. Alors, concernant les outils techniques, donc la chirurgie générale, il y a eu un développement énorme concernant les moyens, les méthodes de chirurgie. Est-ce que au bout de 5 ans, est-ce que le résident en chirurgie générale peut maîtriser, disons, les différentes techniques, les différents outils nécessaires pour sa pratique de tous les jours? Oui. Actuellement, la chirurgie générale, ses innovations, c'est surtout la laparoscopie, la chirurgie mini-invasive, la laparoscopie, la cœlioscopie, bien sûr. Et là, actuellement, la plupart des services, je dirais, ont fait de plus en plus de laparoscopie. D'ailleurs, nos résidents, peut-être actuellement, ils sont plus à l'aise avec la cœlioscopie que certains de leur aîné, parce qu'on fait la cœlioscopie dès la première année, deuxième année. Surtout, même les urgences actuellement, les appendicites, les cholécystites, tout ça, on fait ça par voie cœlioscopique. Et on a, donc, au bout de 5 ans, je ne dirais pas peut-être qu'il fait tout par voie cœlioscopique, mais on peut, au moins, tout ce qui est pathologie, simple, les tests vésiculaires, les appendicites, les ossaires perforés, tout ça, ils peuvent faire ça par voie cœlioscopique donc, sans aucun problème normalement pour la majorité donc, des résidents. Puis après, les autres innovations, peut-être qu'on n'a pas, peut-être c'est les prochaines années, mais en Tunisie, peut-être on n'a pas encore la chirurgie robotique, tout ça, mais peut-être d'ici quelques années, on aura cette technique, on la développera ensemble, peut-être avec nos chers résidents. Docteur Mahlou, est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, on a répondu à toutes les questions. Donc, voilà, on remercie donc, tous les intervenants. Voilà, je pense qu'on a fait le tour plus ou moins de la chirurgie. Il nous reste juste de la chirurgie neurologique qu'on n'a pas pu contacter, peut-être demain ou après-demain. Voilà, merci tout le monde et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup, Zahine. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, Zahine. Merci à vous. Bonsoir.
Merci.